tous, c'est Clapiers que nous avons décidé de vous faire découvrir cette semaine. Clapiers, petit village de l'agglomération Montpellier-Rennes, qui se tient pas loin de Castelnau-le-Lez. Au programme, vous retrouverez évidemment vos rubriques habituelles, la rubrique recette du jour. Nous parlerons taureau cette semaine en présence d'un manadier. Nous irons également du côté de la grotte La Baume, la Trône, pour pénétrer dans le passé et découvrir des œuvres pariétales en compagnie de notre guide Philippe Galland de la DRAC. Et nous visiterons évidemment ce charmant village de Clapiers, mais vous aurez également d'autres surprises au maire. Programme comme chaque semaine, les dessous d'un métier d'art. Nous nous intéresserons aujourd'hui au travail d'un maître artisan geôlier. Au menu de la recette du jour du restaurant L'Ancien Monastère de Fonquevaux, nous nous délecterons d'un taureau de Camargue piqué aux olives sauce costière. Et dernière rubrique de cette semaine côté évasion, nous tenterons de pénétrer dans la grotte La Baume, la Trône, pour découvrir les traces laissées par nos ancêtres. Mais avant cela, présentation et histoire de Clapiers. Dans Territoire, cette semaine, nous visitons Clapiers, un charmant village à côté de Montpellier, à une vingtaine de minutes des plages et non loin du Pic Saint-Loup. Je suis en compagnie de son maire, monsieur Pierre Morel. Bonjour. Bonjour. Vous allez nous parler de ce village et de son évolution au fil du temps. Donc on va voir avec vous un petit peu et votre adjoint l'historique et le patrimoine de ce village. Et on va justement commencer par peut-être planter un petit peu le décor de Clapiers. Alors où se trouve Clapiers et comment a-t-il évolué au fil des années? Et Clapiers est un village de 5000 habitants qui a beaucoup évolué par rapport aux années 50. Puisqu'à l'époque c'est un village qui avait 300 habitants. Nous sommes situés en périphérie de Montpellier et nous sommes séparés de Montpellier par un petit fleuve, le Lesse, hein, voilà, dans le nord-est du Montpellier-Rhin. Alors là, on se trouve en cœur du village, hein, on voit la mairie derrière nous. Ça a été réhabilité par Claude Lénard qui lui a permis justement de donner cette image de Clapiers rénové. Oui, Claude Lénard qui était notre adjoint et qui a disparu il y a quelques années a œuvré pour que ce centre village soit rénové. Donc ça a été la mairie et puis aussi cette maison où nous sommes qui a permis l'implantation des bureaux de la jeunesse. Donc nous avons beaucoup de besoins en espace communal et ici on a trouvé ces besoins pour faire face justement aux activités liées à la jeunesse. Et donc c'est une vieille maison de maître là aussi qui a été achetée par la commune et qui sert justement pour les activités liées à la jeunesse. Alors Clapiers a la chance d'être entouré d'une magnifique pinède, hein, de nombreux hectares de pinèdes. C'était une volonté politique de préserver justement ces pins. Absolument, oui, oui, nous avons cette chance d'avoir des bois au nord du village, plusieurs centaines d'hectares qui sont absolument vierges et nous espérons qu'ils le resteront longtemps parce qu'ils sont protégés dans les documents d'urbanisme. Il fait bon vivre alors à Clapiers, on peut dire ça? Je le pense, je ne suis pas le mieux placé pour le dire, je ne suis pas très objectif par rapport à cela, mais je pense que tous les Clapiérois mesurent bien la chance qu'ils ont de vivre à la campagne tout près d'une grande ville. C'est une balade en Camargue que nous vous proposons maintenant pour notre rubrique recette du jour. Avant de déguster un bon petit plat à base de viande de taureau, nous avons rencontré un manadier. Et c'est sur ces terres gardoises qui s'étendent de Saint-Gilles à Aiguemorte qu'il nous parle de ces bêtes. Attention, taureau. C'est des bêtes sauvages. Donc, leur moyen de défense en milieu naturel, c'est la fuite. Elles fuient. Maintenant, dans les arènes, quand elles sont enfermées, elles se battent parce qu'elles sont obligées de se battre parce qu'elles sont coincées, elles ne peuvent pas s'évader. Voilà. Celui-là, 4 ans. Christian connaît chacune de ces bêtes qui constituent son bétail, de leur âge jusqu'à leur caractère. Et avec le temps, les taureaux de Camargue, eux aussi, ont appris à reconnaître leur éleveur. Mais si on leur parle souvent, l'intonation de voix, c'est quelque chose qui, qu'elles,
qu'elles retiennent les aimants, quoi, bien, même bien. Dès qu'on leur parle, ça les rassure, ça les... Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais mignon, mais... Tous ces animaux ne sont pas destinés à l'abattage. Suivant leur attitude et leur vaillance dans les arènes, les mâles et les femelles seront conservés pour la course et la reproduction. Les taureaux non retenus partiront pour la boucherie. Ainsi, chaque année, 30 à 60 animaux sont éliminés dans chaque élevage, soit un effectif de 3 à 6 000 taureaux destinés à la consommation. C'est pourquoi Christian prend soin de ses taureaux en leur donnant une alimentation la plus saine qui soit. Ça, c'est des bêtes qui mangent de l'herbe ou du foin naturel qu'on récolte sur nos terres et qu'on donne. Bon, comme nous, on ne met pas d'engrais, on ne met rien, je veux dire, c'est, même on pourrait être un label bio, puisqu'on ne met pas d'engrais dans les terres, on ne met rien. Au-delà d'une nourriture régulière et quasi diététique, Christian travaille surtout au bien-être de ses bêtes, une tâche difficile, alimentée par la passion. Les premières fiertés, c'est de dans un élevage, c'est de l'avoir le plus propre possible, qu'il mange à sa fête tous les jours, de les soigner, c'est... Oui, c'est très, pour moi, c'est très important, quoi. Ça fait partie vraiment du travail de tous les jours d'éleveur. Le taureau de Camargue est labellisé AOC. Cette reconnaissance permet de promouvoir un produit naturel et de qualité au sein et au-delà du département gardois. Il existe aussi de nombreuses façons de le cuisiner. Le chef du restaurant L'Ancien Monastère de la commune de Francovaux nous propose une idée pour festoyer, pourquoi pas, autour de cette viande. Bonjour, je me présente, je m'appelle Sébastien Dautel, je suis l'heureux propriétaire et chef du restaurant L'Ancien Monastère et je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui à Francovaux pour vous présenter aujourd'hui la recette du taureau de Camargue piqué aux olives avec une sauce costière. Pour faire cette recette, on va avoir besoin d'un filet de taureau, de sel de poivre du moulin, d'huile d'olive, de picholine, d'échalotes, de vin rouge, d'un fond de veau et d'un peu de beurre. Pour attaquer la recette, on va commencer par découper les deux pavés de taureau. On va prendre deux beaux pavés de taureau. Voilà, on doit avoir à peu près 180 grammes. Donc on va un petit peu les aplatir. On va prendre les olives, les picholines du moulin des Costières qu'on va dénoyauter. Vous n'hésitez pas, deux olives par pavé, que ça parfume bien la viande. Ensuite, une fois que vous avez vos parures d'olives, vous allez prendre les pavés de taureau. Avec le couteau, vous n'hésitez pas à inciser. Et on place le morceau d'olive au milieu de la viande. Le premier pavé est prêt, on peut le réserver pour le cuire tout à l'heure. Pour la réalisation de la sauce, nous allons commencer avec les échalotes que nous allons hacher. On va les couper en deux dans le sens de la longueur et ensuite les couper. Donc là, on a nos trois échalotes hachées que nous allons mettre à cuire dans un peu d'huile d'olive. Nous allons mettre un petit peu d'huile d'olive au fond de la casserole, attendre qu'elle chauffe un petit peu. Ensuite, on jette les échalotes dedans. Donc le but là, c'est juste de les faire suer un petit peu pour ensuite laisser la réduction de vin rouge faire son effet. Un tour de poivre du moulin, une pincée de fleur de sel. Le but, c'est pas d'obtenir une coloration, c'est vraiment juste de les faire suer et ensuite un bon verre de vin rouge. Voilà. Et là, on va laisser réduire le vin rouge pour essayer de récupérer vraiment tous les sucs. Donc pour faire évaporer l'alcool, on peut aussi flamber. C'est joli comme ça. Une fois que vous avez fait flamber, que la sauce commence à réduire, on va laisser bouillir à gros bouillon comme ça pour obtenir une réduction de façon à avoir plus que tous les tanins du vin et que tout l'arôme du vin, que ce soit presque à sec. Là, vous voyez, les échalotes, elles sont réduites, tout le vin rouge s'est évaporé, on est quasiment à sec et ensuite on va ajouter nos 25 centilitres de jus de veau. Et pareil, voilà, on va laisser repartir, on va laisser monter à ébullition, faire réduire jusqu'à temps d'avoir une sauce qui soit nappante. Donc on va mettre 5-6 morceaux de beurre comme ça. Et tout de suite, on va fouetter de façon à incorporer le beurre qui va donner à la sauce, qui va modifier son aspect et sa couleur et lui donner un côté velouté et brillant. Voilà. Donc notre sauce est prête. Maintenant,
nous allons saisir les pavés de taureau aux olives. Hop, on rallume notre feu. Pour donner du goût, on va mettre un tout petit fond d'huile d'olive dans la poêle. On va prendre les filets de taureau et on va bien les saisir. Alors après, les filets de taureau, vous les cuisez vraiment à la cuisson que vous aimez. Hein. Ne pas hésiter à bien les marquer sur toutes les faces. Donc maintenant que nos filets sont cuits, on arrête le feu et on va passer au dressage. Ça, c'est du riz noir de Camargue, du riz canavère de Saint-Gilles, qu'on va ensuite pouvoir démouler sur notre assiette. Nous avons ici un peu de piperade faite avec des oignons doux des Cévennes. Nous allons récupérer notre sauce. On va napper le fond de l'assiette avec la sauce. Nous allons venir y déposer notre filet de taureau piqué aux picholines. Voilà, filet de taureau de Camargue piqué aux picholines, riz noir de Camargue et piperade de poivron. Bon appétit!